Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de Watch Dogs. Pour la mission Bloom, c'est l'avenir. Et on commence tout de suite. Pour que Thibault ne vienne à Chicago avec moi, je vais devoir m'infiltrer dans le siège principal. Des experts en sécurité. Ça va pas être simple, vu que je suis un gros bip sur leur radar. Mais si j'y arrive, Raymond Kenny me devra une sacrée chandelle. Bien, bon, on va piquer une bagnole parce que la mienne a disparu. Vas-y, oh sors de là. Oh là là. C'est bon, elle appelle pour les flics. Allez, on y go. Bon, ça va être chaud, je le sens. Près de l'entrée. Bon, sois prudent. Tu vas débarquer comme un cheveu sur la soupe. Tout le périmètre est très surveillé. Gaffe, s'ils te repèrent, ils bloqueront tous les serveurs. Et là, on sera bien baisé. Ne pas se faire repérer, pas de problème. Bon, ne pas se faire repérer, ça dit infiltration. Qui dit infiltration, des gros soucis pour moi. Parce que moi, pour être très doué pour ça. Essayer déjà d'en repérer un maximum. Que je sache où ils sont. Il n'y a pas de caméra là. Ouais. Y a un truc qui va pas. Non, apparemment c'est rien. Pas de caméra là. Faut pas continuer le tour. Là, c'est celle que je viens de quitter. Bon. On se contentera du maigre repérage que j'ai pu faire. Il veut pas. Bon. Voilà. On va essayer de se la jouer discreto, ça. J'ai bien dit essayer. Allez, retourne-toi là-bas, toi. Pourquoi il vient par là? Il peut pas se retourner puis aller de l'autre sens, non? Tac, bon. Il y en a un là, je sais pas où il va. Tac, ça, on peut déverrouiller, ça déverrouille... Je sais pourquoi. Quelque chose. Là, d'accord. Une autre entrée. Pourquoi pas. Alors, après. Après, ça dit qu'ils sont beaucoup quand même. Thank you.
sont même beaucoup, beaucoup. Ça va m'aider. C'est autorisé. Ah, là-bas. Ouf. D'accord. Bien. Ça promet. Ça promet. Il y a les deux à gauche, là, je sais pas où ils sont. Apparemment, ils sont à l'étage, là. Ce serait bien d'arriver à les buter. Parce que je sens que c'est eux qui vont me faire chier, sinon... J'y sens mal. Lui est là, et le deuxième, il est dans son bureau, d'accord. Pas dedans. Voilà. Comme ça déjà je sais que ceux-là ils vont pas me faire chier. Alors il y a rien dans le coin, non? Un petit truc pour déverrouiller, rien. Non. Continuons. Toc, ça c'est fait. Ensuite, ça me couvre, je peux y aller. Se plus que les deux là. Si c'est vraiment le cas, puis tu pouvais arriver à les buter, ça serait pas un luxe. Tac, zone de danger terminée. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à aller utiliser le truc. Ah, d'accord. Non, bon. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. Suivre ça. Bon, j'avais bien dit qu'il me ferait chier les deux du dessus. J'ai bien fait de les buter. Ouais, ça... J'y étais tout de suite. Vous allez pas me dire que ça pouvait pas déjà fonctionner, non? Bon, maintenant faut pirater. Et à tous les coups, il va y avoir des machins rouges là qui vont faire chier le monde. Bon, non. Apparemment. Tac, ça c'est fait. Tac, comme ça. Paf. Oui. Comme ça.
Tac. Et non, ça marche pas comme ça. Mieux. Mieux, 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 c'est bon. Ah, qu'est-ce que je disais, des machins rouges. Cela font chier le monde. Tac. Tac, comme ça. Là. Ensuite, on va se dépêcher sur celui-là. De le désactiver. Voilà. Ah merde. Ça arrive de tous les bouts maintenant. Hop. Parce que ceux-là, ils sont en temps limité, mais si on les désactive, le temps repart à zéro. Bon. Celui-là c'est bon. Comme ça. Hop. Et hop. Je suis en position, ça devrait pas être là. Quand tu lâcheras le spyware, ça va déposer un virus. Il va scanner le système, trouver mes données et tout effacer. Ils vont pas le détecter, le spyware? Non. Moi je pourrais les surveiller, mais... eux, ils pourront plus me voir. Un certain Damien Briggs demande à vous voir. Damien Briggs? De quoi s'agit-il? Il dit que c'est au sujet de Raymond Kelly. Je vois. T-Bone, c'est fait. Faites-le entrer. Ton nom est effacé, le spyware est en place. Ouais, je commence à avoir les pings. Bon boulot. Maintenant, faut foutre le camp. C'est autre chose. Un nom est apparu sur les serveurs, il y a quelqu'un que je connais ici. Il faut que j'aille voir ça. Non, 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 déconne pas, Aizen. Ces mecs, c'est pas des rigolos. T'inquiète, je te rejoins. Voilà. Comment faut faire? Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien à pirater. Dites-moi ce que vous savez. Une chose à la fois. Vous devriez savoir que je suis en possession d'infos sur plusieurs de vos types. Quel genre d'infos? Du genre qui valent une fortune. Mais détendez-vous. Eh ben, j'ai découvert. Vous ne voulez pas d'argent, alors quoi? C'est simple. Je vous laisse les infos. Dans ce monde, rien n'est simple. Quel est votre prix, s'il vous plaît? Je veux un accès total au système. En échange, je vous donne la clé, les infos, et même le justicier, si j'en aurais signalé. Je sais, vos supérieurs ne sont pas. Mais il n'y a pas de Kenny se cache juste ici, à côté. Tu peux pas être ici. N'entends rien. Venez m'excuser. On tient Kenny. Allez. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Ouf. La zone s'est remplie, évidemment. L'alarme s'est déclenchée. Fouillez le secteur. Merde. Damien est en train de tout faire foirer. Il s'en rend même pas compte. On a besoin de Kenny. Faut que je le sorte de là. Faire comme dans l'épisode précédent, essayer de les éliminer. On va juste se corser avant qu'ils ne voient. Hop. D'accord.
Damien a dénoncé Thibaut. Il avait dit qu'il me laisserait pas faire et il tient parole. Pouf, c'est loin ça. Pouf, c'est loin, ouais. Ah non, en mission, merde, c'est vrai, on peut pas. Mais il gagnera pas ce coup-ci. Bon. Tu vas bientôt avoir de la visite. Bloom sait où tu es. À mon avis, tu te cours. Parce que si je me souviens bien, je t'ai envoyé là-bas justement pour m'effacer de leur radar. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que la milice est après toi. Ah, il y a des jours où je devrais écouter la petite voix qui me dit de rester au pieux. Oui, là t'aurais dû. Saloperie de bordel de merde. Allez, grouille. Dépêche-toi de rappliquer. Bah, c'est ce que je fais. Hein. Bon. Je vais pas aller plus vite que la moto. Hein. Merde, on peut pas rentrer par là, j'ai chié. Allez, mange-toi le cul. À moi qui crève. Dépêche, dépêche, dépêche. Inconnu en visuel. Un seul chemin là-bas. Tac. Ouais, ils sont pas marqués ceux de gauche là, hé. C'est quoi ce bordel? Restez sur vos gardes. Objet suspect repéré. Je vais aller l'examiner. Descendez le sniper. Il n'a pas pu s'enfuir, cherchez-le. Allez, monte ta tête, toi. Attention, va par là. Tac. Hey oh ah dégagez. Hey Dirk, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ils sont morts? T'inquiète, je suis sauvé. Oui, où le dernier? Achève-moi. Bah oui, mais je voudrais bien déjà te voir avant de t'achever. Tu m'as coincé. Mais il va pas crever, lui. C'est pas possible. Bon, pour info, je te tiens pour responsable. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Après, on dégage en quartier. Dommage. Bon, allez, on s'en fout, c'est parti. J'ai pas envie de mourir, Aida. Putain, suis-moi. Les bombes sont en place, mais c'est pas prêt. J'ai besoin d'encore quelques secondes pour charger le détonateur. Oh, protection de zone. Faire gaffe à ce qu'ils puissent pas les désactiver. Protection de zone. Un truc que j'adore. T'as un casque audio? Quoi? Tout juste. Il faut de la grande musique pour fêter ça, mon pote. Ok, prépare-toi. J'espère que les pièges vont fonctionner. Mais débarrasse-moi d'eux. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout compris là, c'est son piège qui l'a buté ou c'est les autres?
infos, je te tiens pour responsable. Oh. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Après, on dégage en quatrième vitesse. Quel dommage. C'est ça, c'est ces pièges qui le tuent. Putain, mais c'est pas croyant. Bon, pour info, je te tiens pour responsable. Ouais, je comprends. Faut qu'on se grouille. Putain, je vais être obligé de tout faire sauter. Il va falloir que j'amorce plus de pièges. Merde. Après, on dégage en quatrième vitesse. Quel dommage. Bon, allez, on s'en fout. C'est parti. Baissez la tête. Les débarras, merde. Ça va? Hein? J'ai une ouverture. Suis-moi! Ah, c'est le genre de truc que je déteste, hein. Protéger les autres, hein, c'est. Les bombes sont en place, mais c'est pas prêt. J'ai besoin d'encore quelques secondes pour charger le détonateur. Je dois bien faire gaffe à ce qu'ils puissent pas les désactiver. T'as un casque audio? Quoi? Tout juste! Il faut de la grande musique pour fêter ça, mon pote! Ok, prépare-toi. J'espère que les pièges vont foncer. Putain, il entend de partout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es occupé ou quoi? Putain, aide-moi un peu. Oh, allez, les pièges. Maintenant, dégage-moi toi. Encore une minute. Merde, t'as vu ça? Ils ont bousillé mon bahut. Je crois que ce coup-là, on les a vraiment énervés. J'aime pas ce genre de mission là. Hé, hey, ça marche. C'est cool. Voilà un plan parfaitement huilé. Mais non, c'est le piège que je voulais déclencher. Ça les bute même pas, putain, mais c'est pas possible. Il est juste à côté, c'est le but même pas. Attention, je vous coupe. Bon, puis il est où le dernier à voir? Putain, me dites pas qu'il faut que j'aille jusque là-bas pour le buter, puis qu'il y a tous les autres qui vont rappliquer entre temps parce qu'il y aura d'autres vagues. Aiden, bouge ton cul! Je voudrais que lui bouge son cul pour voir. On est bon. Une zone de piégé. Plus qu'une maintenant. Encore quelques secondes pour le détonateur. Ah, évidemment. Si tu veux un beau feu d'artifice, faut savoir attendre. Bah oui. Faut pas qu'ils approchent. Retiens-les, bordel. Bah bien sûr. Ils arrivent par où là? Mais non. Merde, je me suis trompé de bouton. J'y suis presque. Bon, moi je suis au contact. Hein. J'ai méchamment les boules là. Ah oh, putain, ouais. J'ai besoin d'aide. J'y vais. Chier, où? Par le côté. Ah, allez, je peux plus bouger là. Mais non, je me trompe de bouton à chaque fois entre protection puis machin. Chier. Je suis trop con. Hein. Trop con, quoi. On est bon. Une zone de piégé. Plus qu'une maintenant.
Oh bordel, puis je recommence, mais je suis vraiment con. Hein. Si tu veux un beau feu d'artifice, faut savoir attendre. Il faut pas qu'ils approchent. Retiens-les, bordel. Ethan, bouge ton cul! J'y suis presque! Méchamment les boules là! Oh putain, ouais! J'ai besoin d'aide! Ok, c'est parti! Go, go, go! Encore que je fasse un truc de protection. Va ici! En route! Putain, un sniper! Putain de merde! Putain, ils sont pas venus pour plaisanter! Bah non, en général. Je peux le descendre. Mais putain! Laissons-moi ce mec! Échappe-toi! Il faut déjà le voir, le sniper, pour lui tirer dessus. Je le vois pas, ton sniper. Il est là-bas. Ça va, mon pote ? Ouais. Un sniper, c'est bon. L'autre, il est où ? Ok. Ok, tout sauf là où il faut. Tout sauf là où je voulais. Regardez là-bas. Bon, j'espère que c'est bientôt. Voilà. Hey, tu vois quand je te disais que ça allait marcher. Wouhou. Tiens, à ton honneur. Une seconde, attends. Non, bouge pas. Ça, c'est pour mon CV. Vas-y. Oh putain, mais il est déjà loin, lui, en plus. Sympa, il est déjà à 2 km quand ils nous disent de le suivre, tu sais. Bon. Ben, on s'en sera pas trop mal sorti quand même. Parce que je dois conduire en plus. Bon, bah, petite... Je suis désolé pour l'attaque. Petite balade en bateau. T'inquiète, j'essaie de pas trop m'attacher aux choses. Vu que je suis habitué à les perdre. Faudra que tu m'apprennes alors. Moi j'ai un mal fou à lâcher prise. Oh bah voyons, alors que moi je suis sur un nuage. Mais ça veut pas dire que je suis pas reconnaissant. Malgré ce petit revers, je suis un homme libre. Grâce à toi. Et maintenant, retour à Chicago. Au fait, t'aurais pas un endroit où je pourrais squatter? Non. On s'est installé dans ton ancienne station CityOS. Non, le bunker. Eh ben, ça fera l'affaire. Mais j'ai quand même hâte de décrypter tes fichiers et de voir ce qui a provoqué tout ce bordel. Ces infos peuvent pas fuiter, T-Bone. Je dois les échanger contre ma sœur. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Tu m'as rendu service. Maintenant, c'est mon tour. Ah bah ça y va direct.
Tu sens ça? Le poids de milliers de milliards d'octets d'informations au bout de tes doigts. Bon. Tu vas devoir te planquer ici pendant quelque temps. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? J'en sais rien. Elle a un lien avec un ancien contrat. Et quelqu'un veut m'empêcher d'en savoir plus. Contente de voir que t'as rien. Je peux savoir ce qui s'est passé? De l'espionnage industriel, des flics pourris, de grosses explosions. Et toi, t'es qui? C'est Clara. Clara, voici T-Bone, autrement dit, le légendaire Raymond Kenny. Sérieux? Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas tous beaux gosses dans ce métier. Non, enfin, je voulais dire... Waouh! Je suis une grande fan. Ah. Enchanté. Et du calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Damien était là-bas. Quoi? Comment il a su? Je sais pas. Il traite une affaire de son côté, directement avec Bloom. Tu me l'as jamais dit, ça? Attends. Non, y a pas d'attends. Tu dois me dire dans quoi tu t'es embarqué, sinon je décrypte plus rien, moi. Donc, Damien et Bloom? T'as pas besoin de t'inquiéter de ça. C'est moi qui décide de quoi j'ai besoin de m'inquiéter, Aiden. Écoute-moi bien. Je veux trouver un nom sur ce serveur. Le deal, c'est que moi, je trouve les données. Et toi, tu les décryptes. Eh ben, dans ce cas, on a un gros problème. Hé, attends. On a besoin de ton expertise. Le serveur utilise ton cryptage. On a besoin de Raymond Kenny. Et toi, t'es sûr de pouvoir récupérer les données sans te faire choper? Non. Ah, enfin, un peu de franchise. C'est bon, tu peux te barrer? Ma copine Clara va m'expliquer quelques trucs. Merci. Mission accomplie. Bon, toute ma petite bande est au complet. Clara devant ses moniteurs, T-Bone pour m'aider à m'introduire chez Irak, et Jordi... Bah, Jordi fait ce que Jordi fait d'habitude. Voyons ce qu'Irak cherche tellement à protéger. Pony. Oups. Mes condoléances. Je vais devoir entrer dans Rossi Fremont. J'ai besoin de ton aide. Tu me paies pas assez pour que je mette les pieds dans ce trou à rats. T'auras pas à le faire. J'ai besoin de tes talents de sniper. Encore? Bon, ça devrait être faisable. Hé, tu ne devineras jamais où je suis. T'as totalement raison. Je suis en train d'arroser ta plante. Maurice? Passe-le-moi. Quoi? Qui est à l'appareil? Si tu parles pas, tu bougeras pas. Oh non! Je t'en prie, pitié! Je sais pas qui c'était! Tu comprends pas, j'ai été piégé! Je peux pas. Je peux pas m'empêcher de voir cette petite fille! Elle me regarde! Ferme-la, je t'ai dit, ferme-la! Arrête de chouiner, toi, retourne dans ton coin. Putain, Pierce, qu'est-ce que tu lui as dit? Retrouve-moi là-bas. À Rossi Fremont. Ok. J'y serai. Bien. Donc, sur ce... On se retrouve la prochaine fois pour la mission... Ouf, Où est-ce qu'elle est? Là. Pour la mission... Par tous les moyens. Voilà, moi sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour la suite.